Dirigeant Mopod yo rencontré candidat regroupement Jeunet Madia dans hôtel Le Plaza, puis yo te bay yo consigne yon jou avant ouverture officielle campagne électorale là. Mopod gen 5 candidats au Sénat, 21 candidats pour député, yon 60 candidats magistrats et puis environ 200 katel Azek ak Kazek. Candidat à la présidence Mouvement Patriotique de Salinien, M. Samuel Madistin, annoncé Mopod a participé dans l'élection 9 août comme ça doit. D'après candidat, si l'élection yo pas réalisée, Mopod a propre un flambeau mobilisation pour l'exiger des pas équipe sous pouvoir pour incompétence. Avocat a profité parler de salrelé un phénomène Madistin qui a développé dans pays a qui t'a montré li ka gagner élection. Suivre déclaration M. Samuel Madistin dans micro Eddie Jackson Alexis à Réginal Jean-Louis. Je dis à c'était une rencontre que mon pote a organisé avec ses candidats aux législatives et à la mairie. Donc nous avons là aujourd'hui pour nous rencontrer avec candidats au Sénat, à la députation et cartel magistrat. C'était une rencontre où nous étions capables de déterminer avec eux. Trois bagailles. Premièrement, pour nous demander, indiquer qui ça pour faire, même pour gagner l'élection. Deuxièmement, pour nous dire qui ça Mopod a tant de mains. Et troisièmement, pour nous dire qui ça nous-mêmes, nous-mêmes, nous attendons de Mopod. Alors, ça nous dit, premièrement, ça nous fait pour gagner l'élection. Nous disons candidat pour gagner l'élection, il y a cinq bagailles pour le faire. Première bagaille, il faut le faire une personnalité. Deuxième bagaille, là, ça va dépendre de qui parti il est sorti. Il faut le vendre sa partie à représenter. Troisième barrière, il faut avoir une équipe solide pour contrôler l'élection en volée. Quatrième barrière, il faut avoir des idées très claires, un programme qui est très clair. Et nous expliquer les grandes lignes du programme du Mopod qui visait transformer cet état failli en un état fort et qui chita sur trois grandes priorités. Le renforcement de l'agriculture, de la production nationale, la question de la sécurité, pour nous garantir la sécurité des pays. Et troisièmement, une intervention de l'État dans le social. Et cinquièmement, dernier bagaille qui répond au monde pour un candidat besoin, c'est les moyens qui pourraient mettre l'élection. De expliquer aux n'attendez pour vous faire sensibilisation, pour vous faire porte à porte, pour vous expliquer la population l'idée ça yo que nous défendons, pour que tout le monde soit capable très clair comprendre pour qu'il s'agit à Mopod, c'est parti qui a pour un changement. Et en dernier lieu, nous promettons nous-mêmes pour nous accompagner, pour que ce soit dans jouer l'élection, que ce soit dans l'agression qui a subi tant que jeune étudiant ça dans la faculté de sciences humaines qui est membre Mopod et qui dans la zone sud-est, dans la zone Bakok-Chante, tu es agressé, elle pose un candidat en question qui t'a relevé le revolver le casse tête. Nous annonçons que Mopod a continué à poursuivre le candidat ça et que chaque fois que un candidat Mopod ou bien un militant Mopod qui est dans la période électorale, là, les victimes de violence électorale, Mopod, il a compté sur Mopod pour Mopod assurer défense. Il a compté sur nous pour la journée électorale. Il a compté sur nous pour le contentieux électoral.